my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo, un petit unboxing de chez Action. Il y a quelques semaines, deux nouvelles collections de DP sont sorties chez Action, ce sont des 40 sur 60. Je pense qu'il y avait 6 différents DP dans chaque collection, mais moi je ne les ai pas tous pris, je vais juste vous présenter évidemment ceux que j'ai. Voilà, donc voici le premier. Le premier, ce sont les portes orientales. Voilà, avec le petit descriptif de ce qu'il y a dedans. Un peu de bruit. Voilà, il est très joli. La toile est un peu pailletée, elle est épaisse comme d'habitude. La toile colle bien. Et donc, en fait, la toile, sur la boîte, il est noté que c'est un 40 sur 60. Sur la toile, il est noté que c'est un 42 sur 62. Donc, on compte, il compte 1 centimètre de bord de chaque côté. Donc, le 40 sur 60, c'est la taille de l'image et non de la toile. On trouve également le petit mode d'emploi avec les différentes perles et les références. Donc nous avons des chiffres qui vont de 1 à 8 et des lettres qui vont de A à Z. On retrouve l'habituel petit toolkit avec la barquette verte, le stylet traditionnel et le petit pain de colle. Et enfin, les perles. Nous avons les sachets qui se présentent sous forme de sachets en ribambelle. Il y a quelques-unes dans des couleurs ici. On en a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 25 perles différentes, diamants différents. On a les perles traditionnelles et on retrouve également des diamants spéciaux. Voilà. Donc sur les sachets, on retrouve la référence, donc le numéro ou la lettre, et on trouve également le numéro DMC. Donc, je ne vais pas vous présenter les diamants à chaque fois, sauf si évidemment ce sont des diamants spéciaux. Ou si ce qui est inscrit sur les sachets est différent. C'est dans l'autre sens que j'aurais dû l'enrouler, je pense, plutôt. Oh, c'est juste, finalement, le petit toolkit. Voilà. Et je vais demander à mon mari de me remballer tout ça. Voilà. La toile suivante que je vais vous présenter, c'est ceci. La toile toucan.
Donc ici aussi on a le contenu qui est bien sur la boîte. Voilà, la toile Toucan, elle est très belle, je l'aime beaucoup. Donc ici aussi, il est inscrit que la toile fait 42 sur 62. Donc ça c'est la taille de la toile et l'image fait 40 sur 60. Comme dans le kit précédent, on retrouve le toolkit traditionnel. Le papier explicatif avec les références. Ici, c'est de 1 à 9 et de A à S. Donc, ils utilisent des lettres et des chiffres. Nous avons les petits sachets. Sur ceux-ci, on a également la référence DMC et il n'y a pas de diamants spéciaux. Je ne vais pas vous les montrer. Ce sont des diamants comme nous les connaissons tous. Voilà. Alors, dans la collection, il y avait également une toile léopard. En Belgique, malheureusement, je ne l'ai pas trouvée, mais heureusement, une des administratrices du groupe sur lequel je suis, qui s'appelle Nos Passions, le DP, le coloriage et les cartes à gratter, qui habite dans le Pas-de-Calais, elle en a trouvé dans sa région. Et comme je savais que je devais aller faire un petit séjour par là, elle m'a trouvé les DP qui me manquaient et me les a donnés lors de nos petites vacances. Voilà. Donc le léopard, le voici, c'est la tête de léopard. Il est magnifique également. Au départ, quand je l'ai vu dans les publicités, il ne m'avait pas attiré. Mais Virginie a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube. Et une fois que je l'ai vu dérouler à plat, il m'a fallu. Donc ici encore, toile de 42 sur 62 cm avec une image de 40 sur 60. La notice explicative avec les références, toujours des lettres et des chiffres. Les diamants, toujours la référence DMC sur les sachets. Je vais regarder. Il n'y a pas de diamants spéciaux. Voilà. Non. Bon, voilà fini pour la première collection. Enfin, une des deux collections. Et donc, on va passer à la suivante. Voilà. Celui-ci, c'est mon coup de cœur. C'est encore un DP que je n'ai pas trouvé en Belgique. Enfin, au moment où je l'ai cherché, en tout cas. Donc, de nouveau. Coucou Virginie. Allô, allô. Tu pourrais pas me le trouver comme je viens te voir, ce serait sympa. Et bien sûr Virginie qui a un grand cœur me l'a trouvé.
Donc voilà. Moi, je l'appelle la toile automnale. Hop, dans l'autre sens. Donc, un joli paysage. Ça, c'est vraiment ma préférée après le léopard et le toucan. En fait, je les aime toutes, il faut dire. Ce qui est, donc, voilà. Sur cette toile, de nouveau, toile 42 sur 62 cm avec une image de 40 sur 60, on retrouve le toolkit de base, le petit mot explicatif. Donc ici toujours hein, des chiffres et des lettres, il y a 25 couleurs sur celui-ci. Et nous avons les diamants. Alors, sur celui-ci, nous avons nos diamants traditionnels avec la référence DMC. Et nous avons également deux références de diamants spéciaux, des diamants AB. Un peu compliqué, il y en a beaucoup, toujours les sachets en ribambelle. Hein. Pardon. Ensuite, après ce paysage automnal, je vais vous présenter mon éléphant. Ici encore, merci Virginie, vu que je ne l'avais pas trouvé en Belgique. Un chouette éléphant. Voilà. Donc ici les dimensions de la toile ne sont pas inscrites, mais on peut voir que ce sont les mêmes dimensions que les précédentes. Toujours le toolkit de base, les explications avec les références, couleurs. Donc ici, on en a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 couleurs différentes. Alors, ici sur les sachets, on ne retrouve pas les références DMC. On y retrouve... attendez que je regarde. On y retrouve... les références en lettres et en chiffres qui sont sur la notice. Alors, pour ce DP, si j'arrive à l'ouvrir, il n'y a pas de diamants spéciaux.
Ensuite, le paysage japonais. Voilà. Alors, j'ai pris celui-là parce que mes filles sont des fans de Japon. À la base, je ne devais pas le prendre, mais elles m'ont demandé, donc je leur ai fait plaisir. Donc, de nouveau ici, nous avons la toile. De nouveau, si c'est un petit peu plié. Alors, ici, nous avons de nouveau une toile où il n'est pas indiqué les dimensions. On a la petite notice. Avec... Oui. ...26 couleurs différentes. Je pense que j'ai bien fait de les écouter parce que il est vraiment quand même très beau. On sait déjà où il va finir, accroché dans leur chambre. Alors, le petit toolkit de base, ça ne change pas. Ici, de nouveau, pas de référence DMC sur les sachets. On y trouve juste les références des différents diamants de la toile, donc des lettres ou des chiffres. Des choses. Et donc pour terminer, la dernière toile que j'ai pris, c'est la toile avec les colibris. Aussi. La toile est un peu froissée, le plastique aussi, mais pas de rivière, heureusement. Ah oui, d'accord. Aïe, 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 aïe. En fait, le papier plastique a été mal mis et du coup, ah, voilà. Du coup, eh bien, une partie de la toile était découverte et la petite notice a collé. J'espère que ça n'aura pas trop abîmé ma toile. Non, elle a l'air de toujours bien coller. Donc ici, nous avons les colibris. Donc ici, également, pas de dimension. Mais ça a toujours bien l'air d'être une image 60 sur 40. La notice qui colle un peu, du coup. Avec les références des diamants. Donc ici nous avons 8, 9, 11. Ou également 26 couleurs comme la précédente. Le toolkit, comme d'habitude, le même. Et sur les sachets des perles, nous n'avons pas de référence DMC. Donc apparemment dans une collection il y avait les références DMC et dans la deuxième collection pas. Donc les papes sachets toujours en ribambelle, pardon. Et sur cette toile nous avons des références AB, des diamants spéciaux tout brillants. Un peu holographique, comme ça. Je sais pas si on voit bien. Il y en a quand même pas mal, hein, des références
ici encore en vert. Voilà. Donc voilà, ici, j'ai fini de vous présenter les toiles que moi j'ai choisies, mais il y avait également d'autres toiles que je n'ai pas prises. Il y avait un mandala, il y avait un dromadaire, il y avait des fleurs, il y avait un papillon, il y avait une ville. Moi, je ne les ai pas pris, mais si vous voulez les voir, vous pouvez rechercher dans les anciennes vidéos de notre administratrice Virginie sur sa chaîne YouTube Virge, c'est moi et le Diamond Painting, parce qu'elle, elle les avait tous et les a tous présentés. Donc voilà, juste un petit détail, toutes les toiles qui ont été achetées en Belgique, je les ai achetées au prix de 4,99€, alors que celles en France étaient au prix de 5,49€. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour rester informé de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao !